Bien. Alors, comme je disais, pour travailler avec Eclipse, bon, ça vous le savez, donc la première des choses que vous faites, c'est que vous créez, tout d'abord, il faut choisir ce qu'on appelle un workspace. En fait, workspace, c'est le dossier dans lequel vous allez enregistrer l'ensemble de vos projets. Par exemple, ici, le workspace, je le mets dans le dossier que je veux. Par exemple, ici, j'ai un workspace qui s'appelle WSA. Alors, le modèle, j'ai besoin d'une partie du tableau, c'est pas grave. Bien, alors pour créer notre petite application, alors comme je disais, donc l'application qu'on va créer consiste à quoi? Consiste à montrer le principe de l'injection des dépendances. Alors, l'exemple qu'on va essayer de créer, c'est celui-là. Donc, on va d'abord créer une interface IDEAO. Par la suite, on va créer la classe DAO implémentation. On crée une interface imitée pour supposer que dans notre couche métier, on va faire un calcul. On crée une implémentation de la couche métier. On va voir comment faire ce couplage faible. Et après, par la suite, on va créer trois versions de la classe présentation. La première version dans laquelle on va faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances par instanciation statique. Deuxième, on va faire ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. Et la troisième, on va voir comment utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, au début, donc, je vais commencer par créer un simple projet Java. Alors, un simple projet Java. Et par la suite, je vais vous montrer comment utiliser un projet Maven. Parce qu'en fait, dans la majorité des cas, tous les projets que vous allez utiliser au sein de l'entreprise, c'est des projets qui sont basés sur un outil Maven. Et pour vous, ça serait l'occasion de connaître c'est quoi Maven et comment l'utiliser. Alors, je crée d'abord un projet Java simple. Alors, Java Project. Alors, je vais l'appeler TP inversion de contrôle. Bon, je suppose que dans ma machine, j'ai Java 8 qui est installé. Donc, forcément, dans votre cas, suppose que nous avons un GDK 8 qui est installé, vous avez une version de Eclipse. Mais il n'empêche que même si vous avez Java 7 ou Java 6, le TP, vous pouvez le faire sans problème. Bien, alors maintenant, on veut créer notre modèle. On va commencer par quoi? On va commencer par créer la couche DAO. Pour nous, la couche DAO, elle est définie par une interface que je vais appeler IDAO d'abord, que je vais mettre dans un package qui s'appelle DAO. Vous voyez donc la bonne pratique, c'est qu'avant de commencer à créer les classes, je crée les interfaces. Alors maintenant, tout ce que je sais, c'est que dans la couche DAO, j'ai besoin d'une méthode qui s'appelle getValue. Alors si vous voulez, on va l'appeler getTempérature. GetTempérature. Alors c'est une méthode que j'ai besoin d'implémenter. Alors ça, c'est une interface. Alors maintenant, il faut créer une implémentation de cette interface. Alors, quand je dis bien une implémentation, ça veut dire qu'il se peut que j'aurai besoin de créer d'autres implémentations. Alors, pour créer une implémentation de l'interface, c'est-à-dire on va créer une classe qu'on va appeler DAO implémentation. Qui implémente l'interface IDAO. Alors, vous savez que quand vous implémentez une interface, ça veut dire que vous serez obligé de redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Bon, on n'a pas besoin d'écrire la méthode de la réécrire. Généralement, tous les IDE vous offrent la possibilité, quand vous cliquez sur l'erreur, ils vous demandent est-ce que vous voulez implémenter la méthode? Oui. Bon, là, elle redéfinit la méthode. Alors, pour moi, dans mon cas ici, ce que je veux faire, c'est que j'ai une méthode. Je suppose que dans la première version de l'application, je me connecte à la base de données pour chercher la valeur d'une température. Je le mets entre parenthèses. Par exemple, ici,
se connecter à la base de données pour récupérer la température. C'est juste un exemple comme ça. Alors, ici, bien sûr, je ne vais pas faire ce code-là parce que ce n'est pas ça l'objectif. Alors maintenant, je suppose que j'ai fait mon traitement. J'ai un résultat, double data, égal, par exemple, je suppose que j'ai 24. Et à la fin, je vais retourner data. C'est-à-dire que ma méthode, si je l'appelle maintenant, il va me retourner tout simplement la valeur 24. Alors sinon, vous mettez une valeur aléatoire qui retourne une valeur sans le faire. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Eh bien, tout simplement, je viens de créer ça. J'ai créé une interface et j'ai créé une implémentation de cette interface. Alors maintenant, j'ai besoin, dans la couche métier, j'ai besoin de faire un calcul. Et dans la classe métier, j'ai besoin d'être lié à la couche I, plutôt à l'interface IDEA. Bon, je crée d'abord l'interface I métier, de la même manière. Alors, l'interface I métier, du package métier. Bon, je change le package. Alors, la même chose, dans la couche métier, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double. La méthode s'appelle calcul. Maintenant, je vais créer une implémentation de cette interface. Ça veut dire que je vais créer une classe que je vais appeler métier implémentation qui implémente cette interface. Implements interface et métier. Alors, la même chose, il est souligné en rouge. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de redéfinir des méthodes. Alors, c'est ce que je vais faire. Implémenter la méthode. Alors, c'est donc je veux faire un calcul. Mais pour faire un calcul, je dépends d'une classe. J'ai besoin de faire appel à la méthode getTemperature. Alors, comme j'ai utilisé ici donc, le principe du couplage faible, je vais déclarer une variable de quel type ? Alors, regardez le modèle. Alors, ici, donc, j'ai besoin de déclarer un objet de type IDEA. Donc, je suis lié à l'interface. Donc, private IDEA. L'objet, je vais l'appeler DAO. Alors, comme c'est une variable privée, on aura besoin de créer un get et un set. Alors, souvent, les getters et setters, pour les générer, dans une classe, ça, vous savez le faire, generate getters and setters. Ça veut dire que vous avez get DAO et set DAO. Alors, vous allez voir que par la suite, set DAO, on va l'utiliser pour faire l'injection des dépendances. Ça sera utile pour la suite. Alors maintenant, qu'est-ce que je sais ? Pour le moment, tout ce que je connais, métier, il est lié à l'interface qui DAO. Alors maintenant, je fais appel à la couche métier, double la température par exemple, égale à quoi ? J'appelle DAO et j'appelle la méthode getTemperature. Alors, je connais la température. Je fais un calcul, un résultat par exemple. Je suis en train de faire des prévisions météo, j'ai besoin de faire des calculs, bon, peu importe. Je vais faire quelque chose de plus simple. J'ai le résultat égal la température multipliée par exemple, j'ai 12. C'est juste un exemple. Et à la fin, je vais retourner le résultat. Alors, rien de spécial pour le moment, mais regardez bien ici, je ne vais pas faire égal new. Pourquoi ? Parce que quand je vais utiliser new, je vais instancier une classe, et non pas une interface, n'est-ce pas? Alors, si vous instanciez une classe, c'est quoi? C'est un couplage fort. C'est que vous dépendez d'une classe. Alors, vous allez comprendre que la bonne pratique de développement, c'est particulièrement dans l'architecture J2E avec Spring, vous allez voir avec new que vous avez l'habitude de faire, la bonne programmation, c'est de ne pas voir de new dans votre application. Pourquoi? Parce que new égale à quoi? Égale couplage fort. Ça veut dire que vous appelez une classe. Et quand vous êtes lié à une classe, ça veut dire que vous avez une application qui n'est pas fermée à la modification. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version de la classe, je suis obligé de modifier le code sur ça. Vous voyez, donc ici, c'est exprès. Je ne vais pas utiliser new, quoique même si on le fait, on a une autre solution. Mais ici, donc, je vais garder que l'interface. Ça veut dire que je connais que l'interface. Alors maintenant, je vais créer l'application, la couche présentation. Alors pour moi, la couche présentation, bon, c'est une classe avec la méthode main dans laquelle je vais maintenant utiliser ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une classe que je vais appeler présentation
Présentation. Présentation. Alors, la méthode main, je vais la générer. Alors, j'ai l'application. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans cette application? Tout ce que j'ai besoin d'appeler, c'est la couche métier. Alors, pour le moment, je vais instancier directement les classes et après, on va critiquer, on va dire que ça, c'est pas une meilleure solution. On peut chercher autre chose. Alors, je vais créer un objet métier implémentation. Métier égale new métier implémentation. Alors, si vous créez un objet métier, si vous créez cet objet-là, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Vous êtes en train de créer un objet. Alors, je vous montre quelque chose ici. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de créer? Vous avez créé un objet métier de quelle classe? De la classe métier implémentation. Il contient la méthode calcul, mais il contient une variable DAO. Or, la variable DAO, est-ce qu'on l'a initialisée? Non. La valeur par défaut, elle reste nulle. Alors, si vous appelez maintenant, c'est tout à fait logique, si vous appelez, par exemple, system.out.println, si vous affichez métier.calcul, vous allez avoir une exception que vous connaissez, c'est null pointer exception. Alors, c'est ce que je vais voir ici. Run Java application. Alors, vous voyez donc, ici, vous avez une exception, null pointer exception. Il vous dit que, si vous pointez dans la classe métier, il vous dit que dans la classe métier, dans la méthode calcul, vous appelez dao.getTemperature. Or, dao, sa valeur par défaut, c'était quoi? C'est nul. Si vous ne l'initialisez pas, par défaut, c'est nul. Alors, ça, c'est très connu. Vous appelez la méthode d'un objet qui n'est pas encore créé. Alors, comment je vais résoudre le problème? Je vais dire tout simplement que si, pour que mon application puisse fonctionner, j'ai besoin, au moment de l'exécution, de créer d'abord l'objet DAO. Je crée d'abord l'objet DAO, je crée l'objet métier, et surtout, je vais faire cette association. Je dois lier l'objet DAO implémentation à l'objet métier implémentation. Alors, comment je vais le faire? Alors, qu'est-ce que je dois faire d'après vous? Donc, je dois créer un objet DAO implémentation, DAO égale new DAO implémentation. Vous voyez, donc, je viens de créer un objet DAO implémentation, un objet métier. Mais est-ce qu'ils sont liés? Non. Je dois les associer. Alors, pour les associer, je vais appeler la méthode set. Donc, dans la classe DAO, j'ai déjà plutôt métier, j'ai une méthode set DAO. Et qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? L'objet DAO. Alors, si j'exécute l'application, vous allez voir, maintenant, bon, ça va marcher, bon, vous avez quand même un résultat qui est maigre, mais en tout cas, l'essentiel, j'ai une petite application qui fonctionne. J'ai utilisé le couplage faible dans la conception, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien, tout simplement, au moment de l'exécution, quand vous créez des objets et vous les associez, alors ce principe s'appelle l'injection des dépendances. Pourquoi? Parce que l'objet métier, il dépend de l'objet DAO. Donc, j'ai créé un objet DAO, un objet métier, et après, j'ai fait l'association. Ce principe s'appelle l'injection des dépendances. Alors, sauf que, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Injection des dépendances. Alors, ça, c'est par instanciation statique. Alors, instanciation statique, ça veut dire new. Alors, quand vous utilisez, vous êtes en train de créer des objets d'une manière statique. Alors, maintenant, si vous créez cette application, comme ça. Alors, si on revient à la conception. Est-ce que la couche DAO est fermée à la modification? La couche DAO, est-ce qu'elle est fermée à la modification? Alors, la réponse, elle est oui. Elle est fermée à la modification. Pourquoi? Parce que la couche DAO ne dépend d'aucune classe. Il ne dépend pas d'autres classes. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que vous avez une interface. Si vous avez une interface, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux ajouter une nouvelle version, je crée une classe qui implémente cette interface. Donc, elle est ouverte à l'extension. Maintenant, regardez la couche métier. Est-ce que la couche métier est fermée à la modification? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la couche métier ne dépend d'aucune classe. Elle dépend que d'une interface. C'est un couplage faible.
Donc elle est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Il y a une interface. Ça veut dire que si je veux créer une nouvelle version de la méthode calcul, je n'ai qu'à créer une classe qui implémente cette interface. Alors maintenant, quand on arrive à la classe présentation, est-ce qu'elle est fermée à la modification? Notre classe présentation telle qu'elle est définie comme ça? La réponse est non. Il n'est pas fermé à la modification. Pourquoi? Supposons que je veux créer une nouvelle version de la classe DAO implémentation version 2, ben je serai obligé de modifier ici le code source, n'est-ce pas? Pour utiliser la version 2 au lieu de l'ancienne version, je serai obligé de modifier ce code source. Et du coup, donc, vous avez ici une couche présentation qui n'est pas encore fermée à la modification. Il est ouverte à la modification. C'est bon? Mais c'est déjà pas mal. Pourquoi? Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on vient de faire? On n'a fait que reporter le problème. C'est-à-dire que au lieu de modifier dans la couche DAO ou bien la couche métier, s'il y a une modification à faire, on va la faire uniquement dans la couche présentation. C'est déjà pas mal. Mais il y a d'autres solutions qu'on va utiliser. Alors, maintenant, comment faire pour rendre toute l'application fermée à la modification? Alors, si vous voulez faire ça, il y a deux solutions. Soit vous faites vous-même la programmation dynamique, c'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. Avec Java, je crois que vous l'avez déjà en partie vu quelque part. Ou bien, vous utilisez un framework qui fait son travail. Alors, bien sûr, notre objectif, c'est ne pas de faire la programmation dynamique, mais on va vous montrer comment utiliser Spring pour résoudre ce problème. Mais avant de vous montrer Spring, je vous montre d'abord vous-même comment résoudre le problème indépendamment du framework. Et comme ça, vous allez comprendre comment le framework est créé. Alors, c'est-à-dire comment faire l'instanciation dynamique. Alors, je vais créer une deuxième version. Classe. Que je vais appeler présentation. Version 2. L'application. J'ai la méthode main. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le principe, c'est quoi? C'est que je vais introduire la notion d'un fichier de configuration. Alors, supposons que dans mon application, dans la racine de mon projet, je vais créer un fichier texte. New file. Un fichier texte. Que je vais appeler, par exemple, config.txt. Un fichier texte. Imaginez que dans ce fichier texte, c'est à moi d'écrire quelles sont les classes que je vais utiliser dans l'application. Par exemple, je vais dire, dans mon application, je vais utiliser une classe qui se trouve dans le package DAO. La classe s'appelle DAO implémentation, comme ça. Ensuite, dans la deuxième ligne, je vais utiliser une classe qui s'appelle métier, qui se trouve dans le package métier. La classe s'appelle métier implémentation. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, mon application, quand il va démarrer, la première des choses qu'il va faire, il va lire ce fichier texte. Il va le lire d'abord. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire le nom de la classe. Et quand il va lire le nom de la classe, et après, il va instancier la classe. Donc, il va m'instancier la classe DAO implémentation. Ensuite, on va lire le nom de la classe métier implémentation. On va instancier la classe métier implémentation. Et après, on va faire l'injection des dépendances. Tout ça, on va le faire d'une manière dynamique. On ne va pas utiliser new. Alors, comment on va faire ça? Vous avez déjà fait l'instanciation dynamique. N'est-ce pas? Sûrement. Alors, regardez. Ce que je vais faire, je vais lire d'abord le fichier texte. Alors, si vous voulez lire un fichier texte dans Java, vous pouvez utiliser la classe scanner. Je crois que c'est une classe que vous utilisez. N'est-ce pas? Alors, scanner, l'objet scanner égale new. Scanner, par exemple. C'est juste une solution, on peut utiliser la classe BufferedReader pour lire un fichier texte. Mais ici, donc, je vais utiliser cette classe scanner. Alors, pour lire à partir d'un fichier, on va utiliser new file. Je vais lire à partir du fichier. Comment il s'appelle le fichier? C'est config.txt. On a besoin de faire un try catch. Alors maintenant, je vais lire la première ligne du fichier texte, string. Je vais lire le nom de la classe, DAO class name, le nom de la classe DAO. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser donc l'objet scanner, point next, next line.
Alors, qu'est-ce que je viens de... Donc, next line, ça veut dire je lis là une ligne. Alors, si vous affichez maintenant ce que vous venez de lire, tout ce que vous savez au moment de l'exécution. Alors maintenant, est-ce que dans votre code, ici, quand vous écrivez le code, est-ce que vous connaissez le nom de la classe? Non. C'est au moment de l'exécution qu'on va lire un fichier qui va nous donner le nom de la classe. Alors maintenant, si j'exécute cette application version 2, alors qu'est-ce que je vois? Je vois ici pour le moment, j'arrive à lire le nom de la classe. Alors maintenant, je lis le nom de la classe, mais maintenant, il faut instancier cette classe. Mais je ne peux pas utiliser new, parce que le nom de la classe, je ne le connaissais pas au moment de la création du code. Je vais utiliser l'instanciation dynamique. Alors, si vous voulez instancier une classe dynamiquement, alors on utilise class.forName pour charger la classe dynamiquement en mémoire. Alors, je crois que vous l'avez utilisé quand vous avez fait des connexions vers la base de données, n'est-ce pas? Pour charger un pilote GDBC, vous utilisez class.forName pour charger le pilote GDBC. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un objet classe. Pas obligé de... Normalement, il est générique, donc je dois spécifier la classe, il est de quel type, mais c'est pas grave. Donc, je vais utiliser, par exemple, classe CM. CM, pour moi, c'est la classe MIDI. CM, la classe qui représente plutôt CDO. CDO, c'est la classe qui représente la couche DO. C'est class.forName. Je vais charger. Qu'est-ce que je connais le nom de la classe? Maintenant, il va chercher le bytecode de la classe, il va le charger dynamiquement. La classe s'appelle DO classe. Class name. Regardez bien. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens, au moment de l'exécution, je connais le nom de la classe, je vais chercher la classe s'il existe, je vais la charger en mémoire. Alors, j'ai besoin encore de faire un try catch. Alors, pour ne pas faire de plus de catch, on va utiliser ici catch exception, c'est-à-dire quelle que soit l'exception. Alors, comme ça, on ne va pas ajouter un autre catch. Maintenant, je viens de charger la classe en mémoire. Elle est chargée dynamiquement. Je veux l'instancier. Alors, pour instancier une classe, vous utilisez l'objet classe CDAO et vous appelez la méthode new instance. Alors, faites la méthode new instance, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de créer une instance d'une classe qui est chargée dynamiquement. Alors, sauf que la méthode new instance, il retourne un objet de quel type? Alors, en principe, il retourne un objet de type object. Si vous mettez CDAO new instance, il retourne un objet de type object, d'une manière générale. Mais moi, dans ma conception, je dois connaître le type de la classe. Donc, je ne dois pas utiliser le nom de la classe, mais je connais l'interface. Tout ce que je connais, c'est que l'objet que je vais créer, il est de quel type? Il est de type i. CDAO. Je connais l'interface. Donc, je vais utiliser l'interface i. CDAO. Alors, la classe que je vais instancier, c'est vrai que je vais instancier une classe. Mais tout ce que je sais, c'est que cette classe implémente l'interface IDEO. Donc, je vais utiliser que les interfaces, je ne vais pas utiliser les classes. Alors, maintenant, la méthode retourne un objet de type object. L'objet, il est de type de IDEO. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sous-casting. Alors, le cast. Alors, d'ailleurs, si vous cliquez sur l'erreur, il va vous demander d'ajouter un cast. C'est-à-dire, je vais utiliser entre parenthèses IDEO. Donc, c'est vrai que c'est un objet de type object, mais il est de type DAO. Alors, si on va tester, si vous mettez par exemple system.out.println DAO.getTemperature, on exécute l'application. Vous voyez donc ici, ça marche. Donc, je viens de faire appel à une méthode, mais est-ce que j'ai fait l'instanciation statique? Non, j'ai fait l'instanciation dynamique. Qu'est-ce que je vais gagner? Mais pour le fait de faire tout ça, au lieu de faire new, j'ai utilisé class.forName et après new instance. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner, c'est qu'une application qui sera fermée à la modification. Comment? Imaginez maintenant que 6 mois après, vous voulez créer une nouvelle version de cette classe DAO implémentation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle classe, une nouvelle version de la classe DAO implémentation version 2. Par exemple. Mais tout ce que je sais, c'est que la classe doit implémenter, il doit, obligation maintenant, doit implémenter l'interface IDAO. Donc vous voyez, donc dans l'ancienne version,
L'ancienne version, elle est là. Rappelez-vous, l'ancienne version, on se connectait à la base de données, se connectait à la base de données pour récupérer la température. Mais 6 mois après, il y a le client qui vous dit que, en fait, dans la nouvelle version, on ne veut plus se connecter à la base de données parce que on voudrait chercher la température directement en se connectant vers un web service qui donne la température en temps réel, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire tout simplement, je redéfinis. Je ne vais pas toucher le code source de mon application. Je vais implémenter la méthode et je vais créer la nouvelle version. Et pour moi, dans cette version, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me connecte, par exemple, à un capteur ou bien à un web service. Je me connecte à un web service pour récupérer la température. Pour récupérer la température. L'application doit évoluer. Alors vous dites, je fais ça, j'écris mon code pour récupérer. Donc ça, je ne vais pas l'écrire, ce n'est pas l'objectif. Je récupère le résultat. Par exemple, data, le résultat que vous récupérez égale, par exemple, tout à l'heure c'était 24, on va utiliser 32 pour changer. Et après, je vais retourner data. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'ajouter une nouvelle implémentation de l'interface IDEO. Maintenant, je voudrais que mon application qui est déjà créée, je voudrais qu'elle utilise cette classe au lieu de la classe précédente. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis obligé de modifier le code source de l'application, le code Java? La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans le code source que j'ai créé dans cette version, regardez, ici, je n'ai pas lié à, je suis lié uniquement à l'interface. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vers le fichier texte. Vous voyez, donc un fichier texte, c'est un fichier de configuration. Mon application, il est déjà créé, c'est un exécutable. Pour que mon application puisse utiliser la nouvelle version au lieu de l'ancienne version, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vers le fichier, je vais lui dire, en fait, maintenant, on ne va plus utiliser DAO implémentation, mais on va utiliser la version 2. Donc, c'est un fichier de configuration enregistré. Bon, un fichier de configuration, vous pouvez le lire avec n'importe quel éditeur. Vous faites la config, vous exécutez l'application. Le résultat, il a changé. Ce n'est plus 24, c'est 32. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Ben, je viens de vous donner l'idée principale, comment est-ce qu'on peut créer une application qui est fermée à la modification et ouverte à l'extension. Mais pour le moment, j'ai utilisé que la programmation dynamique Java. Je n'ai pas utilisé de framework. Parce que vous allez voir que par la suite, tout le travail qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire ce code-là, class.forName, la version 2, voilà. Class.forName, new instance, on va voir que par la suite, ce n'est pas à nous de le faire, c'est Spring qui va faire ce travail. Mais est-ce que j'ai terminé le travail? Non, je n'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce que je viens de créer l'objet DAO, mais je dois faire la même chose pour créer l'objet métier. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais la même chose. Je vais lire. Alors, je mets ça en commentaire. Je n'affiche rien pour le moment. Alors, je dois encore lire le nom de la classe métier. String. Métier. Classe. Name. Égal à quoi? C'est l'objet scanner.next. Donc, qu'est-ce que je viens de lire? À partir du fichier texte, je vais lire la ligne suivante. Je sais que la ligne suivante, il contient le nom de la classe métier. Je refais le même travail. Je vais charger cette classe en mémoire. Comment? Classe C métier égale. Pour charger une classe en mémoire, on va utiliser class.forName. Charger la classe en mémoire. Comment il s'appelle la classe? Métier class name. Il est chargé. Je vais l'instancier. Mais quand je vais l'instancier, je connais que le type. Le type, c'est une interface. Je sais que l'objet que je vais créer, il implémente l'interface i métier. Alors, notre objet métier égale à quoi? C'est la classe c métier. Et j'appelle la méthode new instance. New instance, j'instancie cette classe. Il me retourne un objet de type object. Mais moi, je sais que c'est un objet de quel type? Je sais que c'est un objet de type i métier.
Alors, qu'est-ce que je viens de créer encore? Je viens de créer un objet midi. Autrement dit, si je reviens à la version précédente, regardez, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire ces deux lignes, tout simplement. DAO égale new DAO, implémentation, métier égale new métier, implémentation. Sauf que ça c'est du code que vous utilisez d'habitude, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'instanciation statique. Et l'instanciation statique, ça crée beaucoup de problèmes dans l'application, y compris le couplage fort, c'est-à-dire l'application ouverte à la modification, mais également les performances, la gestion de la mémoire. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais parlé des exigences techniques. L'application doit être performante. Si vous travaillez comme ça, avec des new partout, c'est une application qui devient vraiment inexploitable à un instant. Alors ça, on va le prouver. Mais maintenant, moi, je ne veux pas faire ça. Maintenant, si vous voulez faire la programmation d'une autre manière dynamique, vous n'allez pas utiliser new, mais vous allez utiliser ça. Au moment de l'exécution, c'est au moment de l'exécution que je demande à l'utilisateur, donne-moi, comment s'appelle la classe que tu veux utiliser? Je peux la lire soit à partir des fichiers ou bien je demande à l'utilisateur de spécifier la classe via l'interface. Je connais le nom de la classe, je fais for name, je charge la classe en mémoire. New instance, je crée l'instance de la classe. Alors maintenant, mais qu'est-ce qui me reste? Si j'appelle métier.calcul, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Vous avez nul pointer. Rappelez-vous tout à l'heure. Je n'ai dit que nul pointer exception. Parce que vous appelez la méthode de la classe métier, comme tout à l'heure. Or, dans la classe métier, qu'est-ce que vous avez? Vous appelez la méthode getTemperature de l'objet DAO. Or, l'objet DAO, il est nul. C'est-à-dire on n'a pas encore fait l'association. On n'a pas fait l'injection des dépendances. Alors, autrement dit, dans le schéma de tout à l'heure, ce que nous venons de faire, c'est ça. Nous venons de créer dynamiquement l'objet DAO, c'est bien. On a créé l'objet métier, mais est-ce qu'on les a associés? On n'a pas encore appelé la méthode set. Avec ces set qui fait l'injection, l'association. Bon, on ne l'a pas fait, on va le faire. Mais pour le faire, de la même manière, on va le faire d'une manière dynamique. Comment? Alors, si vous cherchez à utiliser métier.setDAO, vous ne trouverez pas. Pourquoi? Métier.setDAO, la méthode n'existe pas. Pourquoi? Parce que la méthode setDAO n'est pas déclarée dans la classe i de l'interface imité. On ne peut pas déclarer l'interface setDAO dans l'interface imité. Pourquoi? Dans une interface, on déclare que les opérations fonctionnelles. Mais les getters et setters, tout ça, c'est de... Alors maintenant, la question, comment faire appel dynamiquement à une méthode? Alors ça, c'est de la programmation dynamique. Alors pour faire appel dynamiquement à une méthode, on écrit du code comme ça. Bon, si vous ne l'avez jamais fait, c'est très important de le faire au moins une fois. Parce que c'est avec ça que vous allez comprendre par la suite que tous les frameworks que vous allez utiliser, c'est comme ça qu'ils sont créés. Parce qu'en fait, si vous voulez créer un framework qui s'adapte à des classes qui vont être créées par des utilisateurs, le seul moyen, c'est de travailler comme ça. Alors, pour appeler une méthode dynamiquement, on crée un objet méthode. Donc, c'est du paquet Java lang reflect, c'est de la réflexion. Méthode M égale. Je vais créer une méthode de quelle classe? Je vais faire appel à une méthode de quelle classe? C'est la classe C métier. Je vais utiliser C métier point get méthode. Alors maintenant, la méthode que je vais appeler, comment elle s'appelle? C'est une chaîne de caractères. Elle s'appelle setDAO. C'est-à-dire que dans la classe métier, rappelez-vous, dans la classe métier, je veux appeler la méthode setDAO. Mais setDAO, pour l'appeler, j'ai besoin de lui donner un objet de quel type? De type iDAO. C'est-à-dire que la méthode, il reçoit un paramètre de type iDAO. Alors, j'ai besoin de préciser ça. Comment? Et vous voyez donc, vous avez les types de paramètres. Alors, si vous dites les types de paramètres, on va dire que la méthode setDAO, s'il y a un seul type, on va utiliser iDAO, par exemple. C'est le idao.point
point classe. Ça veut dire que je suis en train de dire que je veux faire appel à une méthode qui s'appelle CTDR. Vous voyez, donc la méthode, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire que même la méthode, si au moment de l'exécution, que je peux demander à l'utilisateur, donne-moi la méthode que tu veux appeler. C'est dynamique. Mais cette méthode, elle reçoit un paramètre de quel type? De type IDA. Alors, mais par contre, si vous avez plusieurs paramètres dans une méthode, on utilise généralement new class. C'est un tableau de classe, donc j'ai de type classe. Et vous mettez le premier paramètre, virgule. Non, ça c'est le tableau. Et vous mettez les accolades comme ça. Vous mettez le premier paramètre, virgule, le deuxième paramètre, virgule. Si la méthode contient plusieurs paramètres, mais dans notre cas ici, il contient un seul paramètre. Donc on n'a pas besoin de... même si vous le laissez comme ça, ça va marcher. C'est-à-dire que vous voulez appeler une méthode CTDAO qui reçoit un seul paramètre. Et ce paramètre, il est de type IDAO. Alors maintenant, on peut le laisser comme ça. On peut mettre uniquement IDAO.class. Ici, nous avons un seul paramètre. Je vais mettre que IDAO.class. Et maintenant, je vais appeler la méthode. Et pour appeler la méthode, je vais utiliser m.invoke. Ça s'appelle l'invocation dynamique de méthode. Invoke. J'invoque une méthode. Alors, je vais invoquer la méthode m, c'est-à-dire la méthode CTDAO, sur quel objet? Alors, regardez l'ancienne version. Quand vous mettez m, métier, métier.CTDAO, j'appelle la méthode CTDAO de quel objet? De l'objet métier. Donc ça veut dire que quand je vais utiliser la méthode invoke, je dois donner comme paramètre ici l'objet métier. Ça veut dire que je veux appeler la méthode m dans l'objet métier. Et quand j'appelle la méthode m dans l'objet métier, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? Je vais lui transmettre l'objet DAO. Alors si je reviens à la version précédente, regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez métier.setDAO. Et qu'est-ce que je lui ai donné comme paramètre? L'objet DAO. Alors pour vous, ça semble très simple. Généralement, vous avez l'habitude de faire ça, c'est vous appelez un setter. Ça, c'est vous appelez une méthode statique, d'une manière statique. Alors si vous voulez l'appeler d'une manière dynamique, vous voyez donc, au lieu de faire la méthode, vous avez deux lignes. La première, alors je mets un point virgule ici. La première, c'est quoi? C'est de créer l'objet méthode. La deuxième, c'est d'utiliser la méthode invoke. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'invocation dynamique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, tout simplement, avec tout ce code qu'on venait de créer là, tout ce code-là, ça va produire le même résultat que celui que vous avez ici. Trois lignes. Je crée l'objet DAO, je crée l'objet métier et je fais 7. Sauf que c'est quoi la différence? La première manière, on utilise ce qu'on appelle l'instanciation statique et la deuxième, on utilise l'instanciation dynamique. Et c'est quoi l'avantage de l'instanciation dynamique? C'est que s'il y a des nouveautés, s'il y a une nouvelle version d'une classe, on n'a pas besoin de modifier le code source. Ça veut dire que nous avons une application qui est fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors on va exécuter l'application maintenant. Exécuter. Alors maintenant on va appeler la méthode calcul. Vous voyez donc la méthode calcul, ça marche. Mais cette méthode calcul, ça marche avec quelle version de la version DAO? Regardez le fichier texte. Alors, dans le fichier texte, config, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai déjà indiqué donc, que maintenant, dans mon application, je vais utiliser la version 2. Mais si je modifie le fichier texte, je vais dire que maintenant, je ne veux plus utiliser la version 2, je vais utiliser l'ancienne version. Bah, le client, il vous rappelle qu'on aimerait bien revenir à la version précédente. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement lui demander, tu vas dans un fichier texte, tu changes, au lieu de l'ancienne version, tu mets, au lieu de la nouvelle, vous mettez l'ancienne. Alors, vous voyez donc, le résultat, il n'est pas le même. Donc ici, dans un premier temps, ça a donné, si vous rappelez bien, donc version 2, ça a donné quel résultat? 384. Pourquoi? Parce que dans ici, on a utilisé version 2. Et version 2, la température, elle retourne combien? 32. Or, le calcul, on a multiplié par combien dans métier? On a multiplié par 12. Ça donne ça. Mais le fait de changer directement ici, ça donne
288, n'est-ce pas? Ça change. Alors, vous venez déjà, on vient de répondre déjà à la question. Comment créer une application qui est fermée à la modification, ouverte à l'extension? Nous avons dû utiliser deux choses importantes. La première, c'est le couplage faible. Le couplage faible, ça veut dire que nous avons utilisé les interfaces. Si on n'avait pas utilisé les interfaces, impossible. Pourquoi? Parce que si vous utilisez directement les classes, c'est un couplage fort. Le deuxième concept, on a fait l'injection des dépendances d'une manière dynamique. C'est-à-dire que même au niveau de l'instanciation, je n'utilise pas l'instanciation statique, mais j'utilise l'instanciation dynamique. C'est bon? Alors maintenant, mais est-ce que dans nos applications J2E, est-ce qu'on va écrire à chaque fois ce code que vous venez de voir là, class.forName, new instance, l'injection, est-ce que c'est à nous de le faire? Alors la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un framework qui fait ce travail. Il nous faut maintenant un framework qui va nous faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors, parmi ces frameworks, donc, on a cité la dernière fois l'inversion de contrôle. Dans J2E, il y a deux, soit Spring, soit EJB. Spring, maintenant, on va l'utiliser pour faire ce travail. Allez, vous allez voir que Spring, il vous résout ce problème facilement, mais en même temps, il vous donne plus de possibilités que nous allons explorer. Alors maintenant, je vais créer une troisième version. Avec Spring, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais créer une autre, je vais dire maintenant l'application, la version finale de l'application que je vais créer. Alors si vous voyez la classe présentation, je les ai créées dans le même package métier, bon, c'est pas forcément une bonne chose, donc je vais les séparer. Je change le package. Au lieu de métier, je vais mettre présentation. Sauf que quand vous changez le package et que vous utilisez une classe, il faut l'importer. Ça, parce que vous n'êtes plus dans le même package. Je fais la même chose pour la version 2. Alors pour ne pas faire ça, vous faites que déplacer. Vous prenez la version 2, je la déplace vers le nouveau package, c'est la même chose. Ça produit le même résultat, c'est encore mieux parce qu'il va faire ce qu'on appelle un refactor pour... S'il y a des classes à importer, il va le faire. Vous voyez donc ici, donc je viens de changer le package. Alors, voilà mon projet. J'ai la couche DAO, j'ai la couche métier et j'ai la couche présentation. Maintenant, on a vu comment faire l'injection des dépendances par instanciation statique. Nous avons vu comment faire l'injection des dépendances par instanciation dynamique. Quelqu'un qui fait la programmation, l'ingénierie logicielle, il devrait faire ça minimum un certain nombre de fois. Pourquoi? C'est comme ça qu'on peut comprendre comment les frameworks sont créés. Et qu'est-ce qu'ils font, les frameworks, en principe, au moment de l'exécution. Alors maintenant, on va voir comment utiliser Spring. C'est-à-dire Spring pour faire l'injection des dépendances. Ben, je vais créer une autre version. La classe que je vais appeler présentation avec Spring. C'est-à-dire l'application avec Spring, votre application. Alors, la première des choses, on veut maintenant utiliser Spring. Alors, en fait, Spring, c'est une librairie, c'est une bibliothèque, c'est un ensemble de fichiers .jar qu'on a besoin de mettre dans le projet. Alors, pour ajouter des librairies au projet, ce qu'on va faire, c'est que, bon, astucieusement, je vais juste faire ça manuellement pour le moment. Je vais créer un dossier libre, je vais copier les jars dont j'aurai besoin, que je vais ajouter au classpad des projets, manuel. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude, je crois. Mais après, nous allons voir que ce travail de chercher les jars et de les ajouter au classpad des projets, ce n'est plus à moi de les faire manuellement. Il y a un outil qui s'appelle Maven, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, Maven, c'est lui qui va se connecter peut-être à Internet, il télécharge les jars et après, il va les ajouter à votre projet. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser parce que après le deuxième TP, à partir du deuxième TP, tous les projets qu'on va créer, on va utiliser cet outil Maven. Mais je vais vous l'expliquer d'abord tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire les choses manuellement. Ce n'est pas un projet Maven, c'est un projet Java. Donc, je vais créer un dossier. Donc, New Folder, par exemple. Que je vais appeler Lib.
Bon, mes librairies sont là. Maintenant, je vais chercher les jars de Spring. Alors maintenant, où est-ce qu'on va les chercher? Alors c'est en principe, vous cherchez dans le sur Google, vous Spring Framework, vous trouverez le site, vous pouvez les télécharger. En tout cas pour vous, dans les documents que je vous ai donnés, on va trouver rapidement la librairie Spring. Java Spring, inversion de contrôle. Bon, j'ai un dossier Spring, on va utiliser la version 4 de Spring. Vous avez un certain nombre de fichiers .jar, c'est des librairies, CTRL-C. On va les copier dans le dossier lib. Paste. Alors, donc, j'ai tout d'abord les Spring. Alors, je peux dire que maintenant, j'ai Spring dans mon projet. Le framework Spring, je l'ai copié. Mais il faut ajouter donc, ces jars, il faut les ajouter aux librairies de votre projet, c'est-à-dire les ajouter au ClassPath. Alors, avec Eclipse, comment on fait ça? Propriété des projets. Java build path, libraries, add, je vais ajouter des jars. Bah, ces jars, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent dans le dossier lib. Alors maintenant, avec ces deux, manuellement, je viens de faire quelque chose. J'ai copié les jars, je les ai ajoutés au class path. Mais quand on va utiliser Maven, ça, je ne le fais pas. C'est Maven qui va faire ce travail, parmi l'une des choses qu'il va faire. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, quand on va travailler avec Spring, on a encore besoin de créer un fichier de configuration. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, notre fichier, on l'avait appelé config.txt. Le format, c'est à nous d'imposer le format. Mais quand on travaille avec Spring, on ne va pas utiliser n'importe quel fichier de configuration. Il faut créer un fichier XML. C'est un fichier XML qui respecte le format de Spring. Alors, comment on le crée? Alors, dans notre projet, on va vers le dossier source. La racine du classpath, new, on va chercher Spring bin configuration file. C'est un fichier de configuration de bin Spring. C'est un fichier XML qu'on va créer. Mais, alors en fait, de Spring bin configuration file, donc c'est une, voyez donc, si vous téléchargez Eclipse et vous cherchez ça, vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce que la version de Eclipse dans la base, il ne contient pas ce qu'on appelle le plugin Spring Tools. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous avez une version de Eclipse qui ne contient pas cette fonctionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez besoin d'installer un plugin qui s'appelle Spring Tools. Et d'ailleurs, ça sera, quand vous aurez une version de Eclipse, la première des choses que vous allez faire, c'est installer Spring Tools. Comment on le fait? Comment installer un plugin sur Eclipse? J'ai Eclipse, il y a le menu Window, Help, Eclipse Market. Alors, si vous avez une connexion Internet, ce n'est pas le cas, parce qu'a priori, ma connexion n'est pas... Je crois que... Voilà, a priori, ça marche. Alors, si vous avez une connexion, vous dites Eclipse Market. Alors, sur Eclipse, à chaque fois que nous avons besoin d'un plugin, on va le chercher, on va l'installer. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ici? On va chercher Spring Tools. Alors, vous voyez donc, au début, je n'avais pas besoin de Spring Tools parce que je n'ai pas utilisé Spring. Maintenant, je vais utiliser Spring. Il vaudrait mieux avoir le plugin Spring Tools dans Eclipse parce qu'il va me faciliter, il va me donner un ensemble d'outils qui vont me faciliter le travail. Alors, forcément, à un moment donné, il va vous afficher donc STS. La connexion, elle est relativement lente. Voilà. Alors, vous allez avoir ça, STS, Spring Tool Suite. Alors, ça, vous dites installer. Mais vous voyez ici, installer, pourquoi? Parce que c'est déjà installé. Bon, si vous avez la connexion, donc vous savez comment installer donc Spring Tools. Et vous cliquez après Next, 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 Next. En principe, il s'installe. Mais ça demande une connexion Internet. C'est-à-dire qu'au moment de l'installation du plugin, vous aurez besoin de cette connexion. Alors, moi, je l'ai déjà installé. Bon, génial. Donc, je vous ai montré comment installer Spring Tools. Maintenant, je vais créer un fichier de configuration de Spring. Dans le dossier source, je vais créer Spring bin configuration file. Alors, ici le fichier, je vais l'appeler config.xml.
Rappelez-vous, tout à l'heure, je l'ai appelé config.txt parce que c'est mon fichier, c'est moi qui va le lire. Mais maintenant, je vais créer un fichier. Ce n'est pas moi qui va le lire, c'est Spring qui va le lire. Donc, on va l'appeler. Alors, ici, donc, je vais chercher plutôt Spring. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, oui, voilà. Le fichier, on va l'appeler config.xml. Bon, next, finish directement. Alors, dans ce fichier XML, ça s'appelle le fichier de BeanSpring. C'est ce fichier que vous voyez là. Bon, c'est un fichier qui va être lu par Spring, dans lequel vous avez des balises, en fait, des éléments XML, beans, slash beans. Mais entre beans et slash beans, vous pouvez demander à Spring de créer des objets. Maintenant, je vais demander à Spring de me créer un bean. Bon, un bean, c'est-à-dire, c'est une instance d'une classe. Comment je vais faire ça? Ben, tout simplement, on utilise, alors comme vous pouvez voir, donc, l'éditeur, il vous facilite un peu la chose, bean, classe, égal. Je vais demander à Spring de me créer une instance de quelle classe? La classe s'appelle DAO implémentation. De quel package? DAO. Quand il va créer un objet de cette classe, comment il va l'appeler? ID. Je voudrais qu'il l'appelle l'objet DAO. Alors, si vous laissez ce code comme ça, qu'est-ce qu'il va faire Spring? Quand il va lire ça, il va comprendre que il va lire le nom de la classe, il va faire for name, il va charger dynamiquement, il fait appel new instance, et après, il va garder chez lui cet objet, il va le nommer avec une clé DAO. Donc, vous voyez, donc, Spring, il est en train de fabriquer mes objets. Bon, c'est pas moi qui ai instancié les classes, c'est Spring qui va les fabriquer. Je vais faire la même chose pour lui demander de créer un bean de quelle classe? De la classe métier. Contrôle espace toujours, donc vous retrouvez vos classes métier. Implémentation. Et leur ID, on va l'appeler métier. Donc si vous le laissez comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est exactement le code que nous avons écrit tout à l'heure. Il va nous instancier la classe DAO, il va nous instancier la classe métier. Mais qu'est-ce qui reste? L'injection, l'association. Set. On doit appeler la méthode set. Donc j'ai créé l'objet DAO, j'ai créé l'objet métier. Maintenant j'ai besoin de faire appel à la méthode set DAO pour faire l'association. Alors pour cela, comment on le fait? Entre bin et slash bin dans l'objet métier, on va lui demander d'accéder à une propriété. Alors cette propriété, comment il s'appelle? DAO. Alors ça veut dire quoi propriété? Je te demande d'aller vers une variable de la classe métier, métier implémentation. Il y a une variable, un attribut DAO. En principe, quand vous dites property, il va chercher la méthode setDAO. Automatiquement, il va appeler la méthode setDAO. Et tu vas, quand il appelle la méthode setDAO, tu vas lui donner un objet. Comment il s'appelle notre objet? Il s'appelle DAO. Alors, ici, donc mon objet DAO, je vais utiliser ref, une référence, vers l'objet qui s'appelle DAO. Alors, pour ne pas confondre cet objet-là, cet objet, je peux l'appeler D. C'est-à-dire, j'ai créé un objet DAO qui s'appelle D. Ici, j'ai appelé la méthode setDAO. Et je vais lui donner comme paramètre un objet de quel type? Qui s'appelle D. Alors, autrement dit, avec ce code-là, Spring, comment quand il va interpréter ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire exactement ça. Il va faire new DAO implémentation. Il va faire new métier implémentation. Et après, il va appeler la méthode setDAO. Ça veut dire que, autrement, il le fait dynamiquement. C'est-à-dire, en réalité, lui, il le fait comme ça. Parce qu'il va lire le nom de la classe, il fait class.forName, new instance, il crée l'instance. Il va lire le nom de la classe métier, il va faire class.forName, il charge, new instance, il fait appel à la méthode, comment il s'appelle la méthode? SetDAO, il fait le travail. Alors, presque avec ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce que Spring fait à votre place par la suite? C'est très important. Alors maintenant, on va juste revenir à notre fichier XML. Donc maintenant, notre fichier, c'est un éditeur XML généralement dans lequel on fait ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors maintenant, l'application que je vais créer, l'application version Spring, elle est là.
Qu'est-ce que je dois dire maintenant? La seule chose que j'ai besoin de faire, je dois appeler une classe qui est fournie par Spring pour lui demander de lire ce fichier XML. Alors, en fait, pour cela, on utilise une classe qui s'appelle ApplicationContext, ApplicationContext de Spring Framework. Vous voyez donc, ApplicationContext, vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas copié les jars que j'ai copiés dans le dossier libre. Donc ça, c'est quelque chose qui est fourni par la librairie Spring. CTX, si vous voulez, contexte, le contexte Spring, égal, new, on va instancier une classe qui s'appelle classe path XML application context, classe path XML application context, et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Le nom du fichier. Comment il s'appelle le fichier? config.xml. Et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que je suis en train de dire. Je vais juste demander à Spring, s'il te plaît, va me lire ce fichier config.xml. Et quand il va le lire, qu'est-ce qu'il va trouver? Bon, il sait que ce qu'il va faire. Il crée l'objet DAO, il crée l'objet métier, et après il fait l'injection des dépendances. Alors maintenant, et tous les objets, maintenant, ils sont créés par Spring. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux un objet métier, par exemple. Si je veux l'objet métier pour appeler la méthode calcul, tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est l'interface. J'ai l'interface et métier. Métier. Et je vais demander à l'objet contexte de Spring. Alors, si vous voulez ça, on peut l'appeler Spring Context. Spring Context. Donc, je vais dire à Spring Context, get bin. Donne-moi un bin. Alors, maintenant, quand je lui dis donne-moi un bin, j'ai besoin de connaître son ID. Alors, ici, donc, dans le fichier config.xml, qu'est-ce que j'ai? Je sais quand mon objet métier, je lui ai donné quel ID. C'est métier. Alors, ici, donc, je vais utiliser donc get bin métier. Alors, sauf que la méthode get bin, il retourne un objet de type object, on a besoin de faire un saut casting comme tout à l'heure. Donne-moi un bin métier, donne-moi un bin. Bon, les bins, ils sont déjà créés. Et après, je vais appeler la méthode calcul métier.calcul. Alors, j'exécute l'application, run Java application. Donc, ça, c'est la troisième version donc, avec Spring. Alors, on voit ici, donc, nous avons bien notre résultat qui marche. Même si vous voyez que tous les messages en rouge, vous allez comprendre par la suite que le framework, généralement, les frameworks, ils ont besoin d'utiliser un autre framework de journalisation pour loguer des messages. Il y a un framework qui s'appelle Log4j qui est utilisé. Et du coup, donc, j'aurai l'occasion de vous montrer comment configurer le log. C'est-à-dire que ces messages-là, si vous voulez les envoyer dans un fichier texte, etc., par la suite, vous pouvez le faire. Parce que généralement, les frameworks, quand ils démarrent, ils font des choses. Et quand ils font des choses, ils essayent de loguer des messages dans, quelque part dans un fichier que vous allez configurer. Alors ici, donc, peu importe. On va le laisser, on ne veut pas configurer log4j pour ne pas mélanger les concepts. Mais l'essentiel, c'est que j'ai une application qui me donne le résultat. Alors maintenant, si je veux utiliser la version 2 au lieu de la version 1, où est-ce que je vais changer? Dans le fichier XML. Ah, ici, donc, je vais dire DAO implémentation version 2. Je réexécute l'application. Et j'ai une application qui est fermée à la modification et ouverte à l'extension. Mais cette fois-ci, en utilisant le framework Spring. C'est bon? Alors maintenant, on a résolu le problème. Le dernier point qui reste, c'est que maintenant, Spring, pour faire l'injection des dépendances avec Spring, pour utiliser Spring, il y a deux versions. On peut utiliser un fichier XML, comme je viens de vous montrer. Pour faire l'injection des dépendances, on peut créer un fichier XML dans lequel on fait les dépendances. Mais il y a une autre solution qui est beaucoup plus simple avec Spring, c'est utiliser ce qu'on appelle les annotations. Alors Spring, il vient avec deux manières de travailler. Il y a utiliser un fichier XML, c'est ce que je viens de vous montrer. La deuxième technique, c'est utiliser les annotations. Alors je vais vous montrer maintenant comment utiliser, créer la même application, mais en utilisant les annotations. C'est très simple. Alors regardez ce qu'on va faire. Maintenant, on va ignorer ce fichier XML. Spring.config.xml, on va dire on n'a pas besoin de le créer. Alors moi, pour ne pas le... si vous voulez, donc
je le mets, oui, ce que je le déplace. Je le déplace dans la racine du projet. Le sensé, ce n'est plus dans la source. Mais si vous exécutez maintenant l'application de votre Spring, il va vous donner, bien sûr, ça ne marche pas. Il va vous dire que classe le fichier, vous voyez, not found. Le fichier config.xml n'a pas été trouvé, c'est normal parce qu'il n'est pas là, il n'est pas dans le bon emplacement. Moi, je ne veux plus finalement utiliser ce fichier XML. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser les annotations. Comment? Regardez. Alors, pour utiliser les annotations, et bien, tout simplement, je vais directement vers la classe. Dans la classe DAO, je vais utiliser une annotation. Il faut dire que cette classe-là, c'est un composant Spring. On utilise une annotation qui s'appelle component. Component. Alors, le fait d'utiliser une annotation component comme ça, Spring, il va comprendre que ça, c'est un bin Spring, c'est un composant de Spring. Donc, il pourra l'instancier par la suite. Si vous voulez donner un nom à ce composant, vous mettez entre parenthèses. Si vous voulez donner un nom, on va voir que ce n'est pas obligatoire. On va l'appeler DAO. Alors, ça veut dire quoi, ça? Spring, quand il va lire, quand il va scanner ses annotations, il va comprendre quoi? Il va comprendre qu'on va lui demander de créer un objet DAO. De quelle classe? Un objet de la classe DAO, comment il va l'appeler? Il va l'appeler DAO. Ça veut dire ce que nous avons fait dans XML tout à l'heure, bin, ID, classe, c'est déjà réglé ici. Donc, j'utilise que l'annotation component. Je vais vers métier. Classe métier. Alors, dans la classe métier, je vais faire la même chose. Donc, je dois dire également, ça, c'est un composant Spring. Component. Alors, si vous voulez lui donner un nom, vous dites, ça, c'est l'objet qui s'appelle métier. Spring, il va comprendre qu'on va lui demander de créer un objet de cette classe qui s'appelle métier. Mais il reste, maintenant, qu'est-ce qui reste? Set, l'injection. Comment il va injecter? Alors, pour faire l'injection, ici, on le fait là. Vous avez ici, vous dites, une variable DAO de type DAO. On va utiliser une annotation qui s'appelle auto-wired. Juste avant cet attribut-là. Et vous allez voir que cette annotation, c'est vraiment c'est l'une des annotations que vous allez beaucoup utiliser par la suite. Alors, ça veut dire quoi auto-wired? Ça veut dire que ici, quand tu vas me créer un objet de la classe métier, tu vas appeler la méthode setDAO pour injecter. C'est-à-dire que tu vas associer à cet objet-là DAO, tu vas lui associer un objet de... Comment il s'appelle l'objet? Normalement, notre objet s'appelle... On va lui injecter un objet qui s'appelle... Alors, si vous regardez notre fichier XML, le fichier XML que nous avons créé tout à l'heure, alors Spring, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, il crée l'objet DAO, il crée l'objet métier, et après je lui ai demandé d'appeler property. Property, ça veut dire il appelle la méthode set. Alors, ça, c'est avec XML, on sait le faire. Maintenant, avec annotation, on va tout simplement lui demander de faire auto-wire. Alors, on n'a même pas besoin de spécifier le nom de la classe. C'est-à-dire le nom du bin. Il va automatiquement chercher dans les bins qu'il a déjà créés, est-ce qu'il y a un bin qui implémente cette interface. Quand il va le trouver, il va l'associer, il va l'injecter. Alors, mais sinon, si vous voulez spécifier le nom du bin, on va utiliser une annotation qui s'appelle resource. Alors, la ressource, comment il s'appelle la ressource? La ressource s'appelle DAO. Ressource javax.annotation. Ah, name. Name égale DAO. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, regardez, je viens une pratique avec XML, mais si je ne veux pas créer de fichier XML, je vais devoir utiliser que des annotations component et l'annotation auto-wired pour faire l'injection des dépendances. Mais dans mon application avec Spring, alors maintenant au lieu d'utiliser ça, cette ligne ici, je la mets en commentaire parce que ça, c'est quoi ça? C'est classe path XML, c'est que vous lui demandez de lire le fichier XML. Maintenant, on ne veut plus lire le fichier XML, mais on va demander de faire ça. Application context. Alors, ça, c'est Spring Context.
égale new. Cette fois-ci, on va utiliser annotation. Annotation. Bin. Alors, application context. Annotation. Alors, annotation. Bon, je l'ai ici, j'ai oublié. Annotation bin. Alors, vous avez dans le support, on a là ici. Alors, ça, c'est la version annotation. Donc, c'est annotation config, application context. Donc, annotation config, application context. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander à Spring, quand tu vas démarrer, tu vas scanner les classes. Mais après, je devais un fichier configuration. Toute ma configuration se trouve dans des annotations qui sont dans les classes. Je vais lui demander de scanner les classes. Quand il va trouver qu'il y a des annotations, il va les interpréter. Et les annotations, c'est exactement c'est comme le fichier XML. Mais je dois lui dire où se trouvent les classes qu'il doit scanner, les packages. Je vais lui dire le package DAO et le package métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Spring, quand il va démarrer, s'il te plaît, essaye de regarder le package. Essaye de regarder le package DAO et métier. Il va regarder le package DAO, il est là le package DAO. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver une classe. Il va regarder est-ce qu'il y a une annotation component. S'il trouve qu'il y a une annotation component, il va faire new. Il va instancier ce bin. Il va regarder encore ici, métier, dans le package métier. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver, il y a une annotation qui s'appelle component. Il va l'instancier. Et quand il va trouver auto-wired, il sait qu'il va appeler, il va faire l'injection des dépendances. Et donc auto-wired, ça veut dire quand tu vas créer ce bin, tu accèdes, tu vas affecter à cet objet la ressource qui s'appelle DAO. Alors si on fait ça, maintenant dans mon application, avec Spring, je vais lui demander de me donner un objet qui s'appelle métier. Ce mot métier-là, il est où, en fait? Parce que mon component, je l'ai appelé métier. On va voir que même sinon là, on n'est pas censé les utiliser. Alors maintenant, si j'exécute l'application, c'est pas celle-là, avec Spring. Alors ici, donc, ça marche. Donc ici, je n'ai pas utilisé de fichier XML, mais j'ai utilisé les annotations. Donc la dernière version avec annotation. Alors, sauf qu'avec annotation, en réalité, même si vous mettez ça, regardez. Maintenant, je vais dire DAO. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner un nom. Vous dites component. C'est tout. Alors, dans métier, vous dites component. Vous n'êtes pas obligé de donner des noms. Si vous voulez donner des noms, vous les donnez. Et quand vous dites auto-wired, c'est la même chose. Ici, vous n'avez pas besoin, cette fois-ci, d'utiliser la ressource. Vous dites juste auto-wired. Auto-wired, ça veut dire quoi? S'il te plaît, cherche-moi l'un des objets que tu as déjà créé qui implémente cette interface et tu vas l'associer à cette classe. Voilà, donc j'ai utilisé annotation component et auto-wired. Dans mon application, maintenant je ne vais plus lui demander de me donner un bin qui s'appelle métier parce que je ne lui ai pas donné de nom. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire tout simplement donne-moi un bin, mais tout ce que je connais, c'est l'interface. Donne-moi un bin qui implémente l'interface et métier. Point classe. S'il te plaît, cherche-moi un bin implémentant cette interface. Alors, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de faire ce casting ici. Je supprime. Vous voyez donc ici, donne-moi un bin de cette interface. Il va chercher dans son contexte, il trouve le bin, il va vous le donner. On appelle la méthode. Et quand on est arrivé là, dans votre TP, quand vous arrivez à cette étape-là, et quand vous aurez compris, c'est que vous avez presque déjà compris le principe de l'inversion de contrôle. Parce que tout ce qui va venir par la suite, quand on va faire des applications J2E avec Spring, vous allez voir que votre application, il devient d'une simplicité énorme. Tout simplement parce que dans votre application,
vous allez trouver beaucoup d'annotations comme ça. Component auto-wired. Juste avec des annotations. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a new dans notre application? Dans notre application, il y a un seul new. Il est où? Ici. Quand vous voulez instancier Spring. C'est-à-dire, parce que normal, parce que Spring, à un moment donné, il faut l'instancier pour le démarrer. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est quand vous démarrez l'application, vous démarrez Spring. Et quand vous démarrez Spring, il fait son travail, il vous crée les objets, il va les associer, et plus que ça, il va vous permettre par la suite de vous concentrer sur le code métier, alors que lui, il va s'occuper des codes techniques. C'est-à-dire tout ce qui est les performances, la sécurité, la journalisation, la gestion des transactions, tout ça, on en a parlé la dernière fois. Alors juste un dernier point avant de terminer, c'est que c'est vrai que la notation component, c'est général. Quand vous dites component, ça veut dire que c'est un bin Spring. Mais dans le component, parmi les annotations, au lieu d'utiliser component, quand vous êtes dans la couche DAO, c'est-à-dire la partie accès aux données, au lieu d'utiliser component, on peut utiliser une annotation qui s'appelle repository. Ça donne le même résultat. Regardez, au lieu d'utiliser component, j'utilise repository. Pourquoi? Quand vous dites repository, on va l'utiliser uniquement pour les classes qui se trouvent dans la couche DAO. Spécialement, repository, c'est pour dire ça, c'est la couche DAO. Alors que pour la couche métier, dans la couche métier, on n'utilise pas component, on utilise une annotation qui s'appelle service. Alors service, la même chose. Au lieu d'utiliser component qui marche bien, il serait préférable d'utiliser l'annotation service. Quand je suis dans la couche métier, j'utilise l'annotation service. Alors par la suite, vous allez voir pourquoi il crée une annotation spécialement pour les classes de la couche DAO et une annotation spécialement pour les classes métier. Alors si vous exécutez l'application, ça devrait marcher aussi. Là, vous voyez donc ici. Alors voilà donc le principe de l'injection des dépendances. En fait, j'ai expliqué l'exemple, il est déjà dans une version de la vidéo que je vous ai donnée. Mais en même temps, vous avez cette version-là, qui est beaucoup plus complète. Alors je crois, oui, juste un petit point que je ne dois pas oublier, parce que tout ça, vous l'avez dans le support. Est-ce que vous vous rappelez, j'avais parlé de Maven. Maven. J'ai parlé tout à l'heure de Maven. Je vous disais que je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le laisser pour une autre étape parce que sinon je vais vous perturber. Alors, ça, on va le faire tout à l'heure. Alors, juste un dernier point, c'est celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer un fichier web. Plutôt, on vient de créer une application Java. Java Project. Mais quand vous créez une application J2E, vous savez que dans une application J2E, vous créez un projet, par exemple, web dynamique. Et dans une application J2E, vous avez un fichier qui s'appelle web.xml. Vous avez fait ça l'année dernière. Dans J2E, dans une application J2E, quand vous créez une application J2E, vous avez besoin de créer un fichier qui s'appelle web.xml. Et vous savez que quand vous démarrez une application J2E, quand Tomcat démarre, le premier fichier qui va être lié, c'est le fichier web.xml. Et comment on va démarrer Spring dans une application J2E? Pour démarrer Spring, on le fait dans le fichier web.xml. Comment? On déclare tout simplement un listener. On va demander à Tomcat de chercher un listener Spring qui s'appelle Context Loader Listener. Donc, c'est Spring qui va démarrer ici. Donc, vous voyez, donc, quand vous démarrez l'application, Spring démarre. Et quand il va démarrer, on va lui demander de chercher un fichier XML qui s'appelle springbeans.xml. Alors, c'est le fichier config que j'ai créé tout à l'heure. Où est-ce qu'on va le mettre? Vous le mettez là où vous voulez. Alors, ici, donc, je suppose qu'il est dans le dossier web. Ça veut dire, quand on va créer une application web J2E, on va voir qu'en fait, on ne va pas utiliser new XML, class path XML application context pour démarrer Spring, mais finalement, Spring, il démarre le premier comme ça. C'est-à-dire, le fait de le déclarer dans le fichier web.xml, dès que vous démarrez votre application, Spring va démarrer. Et quand il va démarrer, il va lire le fichier config.xml, il va créer l'objet DAO, il va créer l'objet métier, il crée les objets, il fait l'association,
Après, vous, vous créez votre application. À chaque fois que vous voulez un objet, vous dites getBean. Donne-moi un bean. Sinon, vous utilisez la notation autowired. Je viens de vous montrer. Autowired, il va chercher un bean et après, il va l'injecter. Alors ça, c'est ce que nous allons faire dans le prochain TP.